vite, hein, parce que moi, je... Assez froid, attention qu'il n'y ait pas de bateau, hein. Mais ça devient des cas. Corrigé, hein. Donc, ça, là. Oui. Mais c'est pas facile du tout, hein. On a l'impression. La chance qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux. Pour l'instant... Ah, aïe, 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 je suis tourné trop vite, hein. Oulala, Richard. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Mais Richard, prends la barre. Ah, non, 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 non. Prends la barre, écoute, je la laisse. Hein. Mais regarde, je fais tout un tour. Sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent. Et faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Ma chanson, je travaille dans ma tête, tout simplement. Je les pense, je me vois sur la scène, je ferme les yeux et puis je m'imagine faire un geste ou un autre, ou telle expression. Alors je les vis d'abord à l'intérieur de moi, et une fois que je les possède bien, 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 à ce moment-là, j'essaye de les donner au public. Il faut être impudique sur la scène. Il faut être impudique parce qu'on donne quelque chose, mais en même temps, il faut avoir une pudeur intérieure. C'est dans la solitude qu'on arrive à communiquer et à communier avec l'extérieur, avec les autres. J'ai à côté de moi mon frère qui me soulage énormément, qui s'occupe de la promotion, qu'il me connaît tellement bien, il y a une identification tellement grande qui fait qu'il sait exactement parfois ce que je pense, ce que je veux. Alors il me soulage énormément et quand on lui apporte une chanson. Une fois on a fait un pari, on s'est dit voilà, voilà tant de chansons. Et je vais choisir et tu vas choisir sans me le dire. Et nous sommes tombés exactement sur les mêmes chansons. Elle me connaît tellement bien que c'est formidable. Avant, c'est moi par exemple, quand il y avait une nouvelle chanson, c'est moi qui allais voir le chef d'orchestre, je disais je veux ça, c'est moi qui allais au studio pour faire le mixage, pour faire le montage, les pochettes, la production, je faisais tout ça. C'est impossible pour un artiste de faire tout ça. Mais j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'aime vraiment, c'est mon frère, c'est Orlando. Et lui, maintenant, il s'occupe de toute la production, de tout ce qui est promotion. Et moi, je m'occupe simplement de ce qui est artistique, scénique. Sur la scène, je suis moi, toute seule. C'est moi qui fais la lumière, c'est moi qui trouve la mise en scène. Tout ce qui est scénique, c'est moi. Je suis mon propre metteur en scène. Adieu, monsieur, tout est fini.
c'est ma terre. Je n'ai qu'une amie, la rivière. Elle est à moi, elle me connaît. Quand elle danse sur les galets, elle fait dire la dire la dada. Une chanson, pour devenir un succès, il faut que les gens aient la siffle dans la rue. À un certain moment de la vie d'une carrière d'un artiste, il faut que l'on soit plus un 45 tours, mais que les gens ils viennent nous voir, pas parce qu'ils connaissent nos chansons, mais ils viennent nous voir pour nous, parce qu'ils ont confiance en nous et qu'ils savent qu'ils vont passer un bon moment. Dans toutes mes maisons, il y a toujours un balcon devant ma chambre à coucher. J'aime vivre dans une maison où, quand j'ouvre une fenêtre, j'ai l'impression de dominer. Il faut que j'ai de l'espace devant moi. Dans cette maison de Montmartre que j'ai achetée, il n'y a rien devant moi. J'ai Paris à mes pieds, j'ai le ciel, les arbres. Et puis encore, c'est bien, il est normal de voir la mer et qu'il y ait de l'espace. Moi j'aime prendre le temps de vivre, de relire les pages d'un livre que j'aime encore. La nouveauté n'est pas toujours ce qu'il y a de beau en amour, ni de plus fort. J'essaie de faire la synthèse entre ma vie de femme et ma vie de chanteuse. S'il n'y a pas cette synthèse, il y a un côté qui manque. C'est une chose que j'essaie depuis longtemps de faire et je pense y être arrivée à 80%. Moi j'ai le cœur un peu fleur bleue, des mots des mêmes si l'on veut, je n'y peux rien. Je dîne dans un bistrot du port, l'amitié nous sert de décor et je suis bien. Daniel. Oui, c'est ton... Il était dans le double. Gerdin, viens ici. Comme prima, tu me donnes tant de joie que personne ne m'en donne comme toi. Quand je monte sur une scène, j'ai toujours le trac. Qu'est-ce que c'est que le trac? C'est une peur. Qu'est-ce que c'est que cette peur? Eh bien, c'est le désir de monter sur une scène. Ça fait 20 ans que je monte sur une scène et que j'ai toujours le trac. Donc le trac, c'est un désir inconscient qui se manifeste à l'extérieur par la peur. Je pense que c'est une chose qui vient du plus profond de moi. Alors il faudrait d'abord que je sois maître de moi complètement et que je connaisse à fond mon inconscient pour pouvoir le maîtriser. Ciao, ciao, bambina, dis-moi, je t'aime, pour la dernière fois, dans tes yeux tristes, tout le ciel pleure, et moi je pleure.